Oh, mais comme tu es beau. C'est bien passé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce soir, tu peux me laisser Hugo? Non. À demain, non? À demain. Il ramène vers 16h, ça va? Attends. J'ai oublié quelque chose. À demain. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Surprise. Ça va, Hugo? Ok. Bonsoir. Allô. Je voudrais parler à l'officier de police au maire Cantero, s'il vous plaît, de la part de Madame Verhagen. Il est pas dans
Non, non, c'est pas grave. C'est juste parce que j'ai cru voir un rôdeur, mais je n'en suis pas sûre. J'ai eu peur. Vous êtes seule ? Oui. Vous voulez qu'on envoie quelqu'un ? Non, 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 c'est pas la peine. J'ai dû me tromper, merci. Au revoir. Restera dans ton musée. Si je réussis, tout sera à moi. Bonsoir. Bonsoir. On m'a dit que vous aviez appelé. Je passais par là, je voulais vérifier si tout allait bien. J'ai cru voir quelqu'un, je me suis trompée. J'ai bêtement paniqué, j'ai appelé. Excusez-moi. De quoi ? De ne pas avoir rappelé. Le bar au coin de la rue est ouvert. Vous voulez qu'on aille prendre un verre ? J'ai vu votre site internet. Je ne savais pas que vous faisiez des poupées. Si, ça me plaît. Ça marche bien. C'est Paul qui m'a aidé à créer le site. Comment va-t-il ? Ça va. On s'est quitté il y a 4 ans. Je croyais que la naissance de Hugo allait nous aider à reprendre le dessus, mais pas du tout. Quel âge a Hugo ? 8 ans. Je suis une vieille maman. Je vous en prie, laissez pas tomber. Je n'abandonne pas, je vous le promets.
Aujourd'hui, 10 ans après, plus personne ne me parle de Tony. On ne dit plus son prénom devant moi, jamais. Comme s'il n'avait jamais existé. Vous avez abandonné les recherches. Mon petit garçon n'intéressait plus personne. Allô? C'est Pierre. Le commissariat vient de m'appeler. Ils ont reçu un appel d'un jeune. Ouais, et alors? Il dit qu'il s'appelle Tony. Tony Verhagen. Allô? C'est un canular. Ouais, peut-être. Allô? Tony? C'est toi qui as appelé le commissariat? Tony? J'ai peur. Tu as dit que tu t'appelais Tony? Tony Verhagen. Quel âge tu as? 15 ans. Tu appelles d'où? Dis-moi où tu es, on va venir te chercher. Vous êtes qui? Omer Cantero, c'est moi qui dirigeais l'enquête. Il a raccroché. Il rappellera.
Qu'est-ce que tu fous? On t'a dit que Catherine Vergen avait appelé hier soir pour une histoire de rôdeur. Ouais. J'ai envoyé une voiture pour patrouiller près de chez elle. T'as bien fait. On pourrait l'interroger? Non, on lui fout la paix. Alors? Alors quoi? Tu crois un canular? Trouvons-le, on verra après. Tu préviens pas le patron? Non, c'est trop tôt. Et sur ce qu'il a dit? Quoi? Mais t'en penses quoi? Je sais pas. Il a presque rien dit, juste quelques mots qui semblaient justes. Juste ou vrai? Ouais. Je rampais sur les genoux pendant des heures. Je regardais par terre pour pas prendre des coups. J'ai marché pieds nus, à petits pas, d'un mur à l'autre dans mon trois-rats, en priant qu'elle vienne me chercher. Vous connaissez ma mère? Allô? Je me rappelle de tout. De quoi tu te rappelles? La couleur de la camionnette. La route. La pluie. C'était mon anniversaire. J'allais avoir 6 ans. Comment tu étais habillé? Vous connaissez ma mère? Oui. Un homme est venu la voir. C'était toi, l'ordeur. Tu vas me retrouver. Il a dit qu'il me tuerait, ma famille aussi, et tous ceux qui m'aideraient. On peut te protéger où tu es. Je vais venir te chercher. Choisis toi-même l'endroit où tu veux qu'on se retrouve. Au sentier. Les 7 frères. Tout en haut. Pourquoi le sentier? Ne raccroche pas. Ne raccroche.
t'as rien à craindre. C'est moi qui t'ai parlé au téléphone. Tiens. Couvre-toi. Je t'emmène à l'hôpital, on va s'occuper de toi. Sortir. Tu veux que je t'aide? Ok, ok, ok. Je te touche pas. T'as rien à craindre, je te touche pas. Suis-moi simplement. Augustin n'a pas voulu que je m'en aille ce soir. Ce matin, j'ai oublié mes clés. Il n'a jamais voulu ouvrir la porte, même à moi. Et quand je suis revenue, il était très, très anxieux. Je suis désolée, Omer. C'est créé en 5 ans. Bon, bah, puisque tu dors, je vais te laisser dormir, frérot. Oui. Ah, t'es vrai que tu dors pas. Oui. Mmh. Mmh. Tu me parles. Tu parles en dormant, toi, maintenant? Oui. Mais je t'aime. T'es plus fâché? Non. T'as eu peur? Non. Pas de nuit? Oui. Bon, allez. Dors. Pas de nuit.
N'aie pas peur. On va te laisser tranquille, je te promets. Ne te fais plus de mal. Tu remontes dans ton lit? Tu veux dans ta main? Ouais, je prends dans ma main. Viens, viens. Referme pas les doigts tout de suite. C'est comme je... Oups, toi, si je veux pas, je vais... Doucement, ne serre pas trop. Dépêche-toi, parce que sans air... Qu'est-ce que t'en penses? Très très bien. Ça se passe très très bien là. C'est bon là, les antibiotiques, je crois. Oui. Bon. Ah ouais. Mais c'est pas un son. Homer. Homer. Putain. Comment ça va? T'as rien mangé? J'ai des questions à te poser. Tu as dit que tu t'étais échappé d'une cave. Tu peux me la décrire? Elle était grande comment, ta cave? Tu pouvais marcher, te déplacer? Il n'y a que toi et moi, comme tu me l'as demandé. Tu dois tout me dire, même le plus pénible. Je veux voir ma mère. Bonjour. Bonjour. Je t'apporte un thé.
T'avais mangé? Bois un peu, ça te fera du bien. Il va falloir te faire un petit examen. Est-ce que tu sais ce que c'est l'ADN? On fait un prélèvement de salive, on l'analyse et on le compare à celui des parents. Les parents et leurs enfants ont la même ADN. Vous me croyez pas? Je te crois, mais c'est la procédure. Ça fait pas mal, c'est... C'est juste un petit bâton qu'on met dans la bouche. Je veux plus qu'on me touche. T'as réfléchi? Je veux voir ma mère. Bon, écoute, laisse-toi faire qu'on en finisse. Après, tu la verras, ta mère. Je vous ai fait confiance. File-moi un vêtement, n'importe lequel. On se débrouillera avec ça. Appelez-moi en premier, pas ta mère. Ma mère, elle pouvait pas me protéger. Vous aussi. Le soir où t'as appelé, t'es allé chez toi. Ta mère t'a vu à travers la fenêtre. Il suffisait de sonner, ça aurait été plus simple. Aidez-moi. Salut les gars. Salut patron. Apportez ça à Pierre. Dites-lui qu'elle était en contact avec le gamin qui l'envoie au labo. Tout de suite? Tout de suite. Bonjour. Entrez. Je m'étale un peu partout. Frère adore la couleur. J'imagine sa tête, s'il voyait ça, il ne saurait plus le regarder. Alors tout ça, c'est pour votre travail. Oui. Les gens adorent les poupées. Enfin, ils les achètent pour eux, pas pour les enfants. Vous n'êtes pas en service? C'est du whisky français. Français? Oui.
Ils distillent leur whisky avec de l'eau qu'ils font venir d'Écosse. C'est le seul en France. Il a une odeur de feu de bois. Un bois fort, comme un... Je sais pas. Ah, c'est fort. Pierre m'a dit que vous étiez passé au SRPJ. Oui, je voulais vous parler. De quoi ? De l'autre soir. Quand on s'est revus, je me suis montrée un peu distante. Mais je vous en voulais toujours pour votre silence. Puis on a parlé de Tony. Avec qui d'autre je peux parler de mon fils ? On partage ça. Tous les deux. C'est ce que j'essaie de vous dire. J'ai compris. J'ai compris ce que vous voulez dire. Ça va pas ? Dire que l'autre soir, quand on a quitté ce bar, ce même soir, j'ai reçu un appel. Tony ? Il est mort ? Non. Il est vivant. On l'a retrouvé. Il est à l'hôpital, je lui ai parlé, il va bien. Il a beaucoup souffert, mais il va bien. Respectez, je peux pas avant les résultats de l'ADN. Je vous ramènerai Tony chez vous demain vers 10h. Le temps que le résultat de l'ADN tombe, vous allez avoir quelques jours de tranquillité, profitez-en. Après, les journalistes, les psychiatres, les chiens seront lâchés. Il va
falloir un peu de temps pour que Tony retrouve une vie normale. Qu'est-ce qui se passe? Tony est vivant. Quoi? Il est à l'hôpital. Il va bien. Oh. On y va pas! Tu vas tout gâcher. Tout est prévu demain à 10h. Il revient demain. Demain. Oh. Demain. Demain. Il rentre à la maison, Paul. On doit être là. Il faut qu'il soit là. Hein, chez nous. Comme si on n'était pas séparés. Il a besoin de tout notre amour. Merde! Ah, c'est tous les matins la même chose. Mais les deux sont niqués maintenant. Ah bah touche plus à rien, achète-toi la halogène par exemple. Vous êtes rigolo les mecs. Ah merde, il y a des trucs à régler. Contrepartie aujourd'hui? Faites sans moi, vous êtes grand, non? La couverture est au labo. Il s'est enroulé dedans pour aller à l'hôpital, elle était sous mon nez depuis 3 jours. Faut que je te parle. Catherine Varagan est venue à l'hôpital. Elle a vu Tony et l'a reconnu son fils. Je prends l'entière responsabilité de le rendre à sa famille sans avertir les juges et sans attendre les résultats d'ADN. Si ça se fait, tu sautes, on saute. Putain, t'aurais pu me prévenir.
Je sentais que t'allais faire une connerie, mais de là à te torcher avec la procédure. Je peux pas attendre, Pierre. C'est trop long. Depuis qu'il est à l'hôpital, il mange rien, il boit rien. Comment tu comptes y prendre maintenant? Le patron, le juge, la presse, tu les préviens quand? Quand on aura les résultats de l'ADN. J'ai pris la bonne décision, Pierre, en tout cas la plus humaine. De Tony? Oui. Tu te souviens où il est parti? Il est parti avec le serpent. Ouais. Puis quelque chose est arrivé. Quelque chose d'incroyable. Tony est rentré il y a quelques jours. Il revient à la maison. Et il veut te voir. Il veut te rencontrer. T'as changé les coussins? Oui. Mais c'est tout.
te laisse. Non, reste. Tu as choisi quel parfum ? Fraise. Fraise ? Combien de boules ? Une. Chantilly ? Oui. Et granulé. Oh oui. Je suis jaloux, hein. Vous avez fait quoi ? Fait la glace ? Hein ? On a été au parc. Au parc ? Quelle bonne idée. Et ce temps ? Il y avait d'autres enfants ? Oui. C'est pas Tony. Mais si, c'est Tony. Il a grandi. Je peux voir ma chambre? Tu veux que je te laisse ? Tu repars ? Je vais lui acheter des vêtements. Sans lui ? Je sais ce qu'il lui faut. Mais comment tu sais ce qu'il lui faut ? Comment tu peux savoir ce dont il a besoin ? Il fait 1m70 et il est maigre. Excuse-moi, j'ai tout dérangé. T'as bien fait. C'est bien que t'aies tout gardé comme c'était. Je me rappelais ma chambre sans rien oublier.
Je récitais tous les objets en disant leur place. Je me racontais tous les jours la rentrée de l'école et les devoirs que tu me faisais faire. Je voulais être le petit garçon en sécurité avec sa maman. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je t'ai acheté des vêtements. Merci. Tu ne regardes pas? Si ça ne te plaît pas, j'irai les changer. C'est très bien. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Je me souviens quand tu me prenais dans tes bras. Tu me souriais. Je me posais toujours la même question. Tu trouves que je t'aime trop? Je répondais non. Viens, assieds-toi. Tu te rappelles pas? Mais comment t'as pu oublier? Oublier quoi? Que tu es allergique au gluten, à la farine, au pain. Boum! Je suis plus allergique. Je suis guéri. J'ai installé la télévision. Non, c'est bien. Le silence doit lui faire peur. Il n'a pas essayé les vêtements que je lui ai achetés. Il est accroché au sien, c'est bizarre. Il lui faut du temps. À nous aussi, il faut du temps. On peut guérir comme ça d'une allergie? Ben oui. La preuve. Je voudrais que Tony ait 6 ans. Qu'il pleure. Et qu'on le console.
là, entre nous deux. J'ai tellement besoin d'amour. Hugo ! T'es content de tes vêtements ? Oui. J'emmène Hugo à l'école. Et après, je fais les courses. Tu veux venir ? Non, je veux pas sortir. Regarde. Il veille sur nous. Je suis bien à la maison. Ton père va rester avec toi. Chose. Des fruits ou... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on regarde la télé? Tu aimes toujours le sport? Oui. Viens. Moi, je veux le faire. Repose-toi. Pas besoin de me reposer.
Bonjour. Pour faire passer le temps. Ça doit pas être drôle toute la journée de veiller sur nous. T'inquiète pas, ça vient comme d'habitude. Bon courage. Merci. Ça s'est bien passé? Il ne parle pas. Pas un mot. Comment on va se sortir de ce mensonge? Je vais rentrer à la maison, faire Florence. Mais il faut que j'aille travailler. Le lait concentré, c'est pour moi? Oui. J'adore ça. Fille anonyme qui nous a envoyé là. Une vraie puanteur. On a cru tomber sur un macabé. Le vieux a fait partout dans son plumard. Vous l'avez interrogé? Ah oui, mais il n'est pas en état. Hein. Il répète que son fils a disparu. On a préféré en informer la PJ. Il refuse qu'on l'emmène à l'hôpital. Il veut son fils, point barre. Vous avez fait les poubelles? On pensait à ce qu'il y avait au mur. On l'a rien retrouvé. Le vieux vous a montré une photo de son fils? Non, on a fouillé partout, rien. Pas une photo, même pas un vieil album. Curieux, non? Quel âge? 22 ans. Son nom? Matteo Pasquale. Votre fils Matteo a disparu depuis quand, M. Pasquale? Je vous parle de votre fils. Votre fils qui a disparu. C'était bien l'école? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Travailler, comme d'habitude. Quand il aura 20 ans, t'en auras 65. Allez, mange. J'ai pas envie. Écoute, tu m'énerves, t'auras rien d'autre. Je crois qu'il m'aime bien maintenant. Je viens le chercher. C'est l'heure d'aller se coucher. Allez, viens. Allez, viens. Pourquoi t'as gardé tes gants? Ah, oui. T'as raison, Julie. Ça te plaît pas? Si, bien sûr.
Papa, tu seras là demain? Je sais pas. Pourquoi? Je voudrais qu'on retourne au sentier, tous les deux. Tu me demandes ça comme ça? On se retrouve à peine et tu me demandes de revivre, de te faire revivre ce cauchemar. Tu te souviens du temps qu'il faisait? Non. Il pleuvait. On avait fait un concours pour savoir qui arriverait le premier à la voiture. Je m'en rappelle pas. J'ai couru comme un fou. Et quand je me suis retourné, t'étais plus derrière moi. Arrête. La camionnette était garée à côté de la voiture. Il m'a forcé à monter dedans. J'ai crié pour que tu viennes. Il m'a frappé! Après la mort de Tony, après sa disparition, j'ai fait le même rêve pendant des années. J'étais au pied d'une montagne et j'attendais. J'attendais longtemps. Mais toujours je finissais par voir surgir du haut de la montagne une tête blonde avec un casque. Devenu soldat. Son sourire magnifique, lumineux. Et il m'appelait. Il m'invitait à le rejoindre. Mais dès que j'arrivais au milieu de la montagne, il disparaissait. À chaque fois. Il n'était plus là. Je me réveillais. Il était 4 ou 5 heures du matin. La nuit était finie pour moi. Je savais qu'il fallait que j'affronte une nouvelle journée. Je n'en avais pas la force. C'était tellement plus facile de tout abandonner. De croire que ce rêve était son appel à le rejoindre. Et en finir. J'y vais. Pourquoi tu fais ça? Pas à chaque fois. Il ne pas dans un plat comme ça. Alors, c'est pas ton chien. Mais c'est... Oh, oh, oui. Yeah. Ah, curry de poulet. Curry de poulet. Wow, pas mal. En boîte? Il y a une chose sur laquelle je n'ai aucun humour, c'est sur la cuisine et tu le sais. Alors, s'il te plaît, il y a tous les maisons ici. T'as de la mayonnaise pour tes manches? Ah, ça, c'est vraiment l'humour de fils. Ça te déstresse quand tu cuisines? Rien d'autre? Bon, ça me déstresse, c'est un mot, mais ça me fait penser à autre chose, et ça, c'est clair. Bon. Et ton Olivier, ça va? Il a très bien, mon Olivier, je te remercie. Je suis passé chez lui la semaine dernière. Je vous raconte pas la tronche de son Olivier. Et encore. C'est un Olivier poétique. Il compte faire de l'huile d'olive. Mais je suis content que ça passe. La passion à froid. Mais alors à froid. Non mais vas-y, plante un pommier, les gars, plante un pommier.
me suis trompé. Ce n'est pas là. C'est là. Le ciel était comme maintenant. Quand on est arrivé ici, il s'est mis à pleuvoir. Là, toi. Oh, je t'ai cherché partout. Je t'ai pas entendu partir. J'avais envie d'aller peindre. Mais oui. On est partis tous les deux. Il s'est mis à pleuvoir. D'un coup, un rideau de pluie. En 2 minutes, on était trempés des pieds à la tête. Tu grelottais. Devant, en courant pour te réchauffer. Je t'ai crié de m'attendre au premier croisement des sentiers. Je ne te voyais plus. Je t'ai appelé. J'ai hurlé. Mais oui, mais on attend. Le couple a merdé parce qu'il est parti, donc je dirais c'est pas aussi clair. Ouais, non, ben non, mais ouais. Ça c'est vraiment ça. Mais ça, non, mais tu sais pas ce qui va se passer. Ils vont être suivis, ils vont travailler là-dessus. Mais c'est du faux. C'est du faux. Alors, tous les jours tu vois des cas de merde. Alors du coup, il y en a jamais un qui peut être beau. Putain, le petit, t'as pensé au petit? Le petit, pour l'histoire du grand frère. Je te parle du couple qui se remet ensemble. On peut pas savoir maintenant. Ça doit être Françoise Dolto. Mais on peut pas savoir maintenant. Mais quoi, les 2 premiers mois, il y a plus de nouveau, la vie n'est pas bien, et puis c'est... Ah non, il y a des programmes sur des années. Bah oui, c'est clair que ça va pas se faire comme ça. Mais non, mais non, c'est ensemble. Mais ça, c'est son vécu, une épreuve terrible. Quand tu parles de faux. Et c'est qu'on lui montre une fausse réalité. Si après ça marche pas, oui, mais c'est encore déchanté. Mais il va pas nécessairement déchanter. Pourquoi? Parce que tu vois directement que ça va foirer. À tous les coups, c'est sûr, ça va foirer. C'est ça. T'as des fonds. C'est pas comme ça, t'es baissé sur des trucs comme ça qui sont basés sur du rien. C'est le labo. L'ADN de Tony, c'est pas le bon. Il s'agit d'un autre ADN, mais pas celui de Tony Varagan. Thank you.
la donne. Ils viennent t'arrêter. Ça n'a pas d'importance. Je ne veux pas qu'ils t'emmènent. C'est bon, je m'en occupe. C'est pas Tony! Faites attention à lui, Homer. Lui faites pas de mal. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé.